Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer et avoir un interrupteur d'activation, plus des petits et des grands propulseurs sur le Lego de Fortnite, ce qui vous permettra de créer des véhicules sur le Lego. Alors pour obtenir ces trois objets-là, il faudra obligatoirement vous rendre dans le désert. Donc le désert, pour vous aider à le trouver, vous pouvez vous aider des coordonnées qui sont en bas à gauche. Donc, par exemple, moi, les coordonnées où je me trouve, c'est moins 5,12 degrés, etc., etc. Après, il y a une autre possibilité pour trouver cet emplacement. C'est l'emplacement qui est affiché tout en bas. Donc, par exemple, moins 511 000, etc., etc. Donc, peut-être que ça aussi, ça peut vous aider à trouver le désert. Alors, pour information, moi, j'ai dû traverser toute la map. Vous pouvez voir que mon village est tout à droite, je peux même pas y accéder tellement je suis loin de mon village. J'ai dû marcher 10 à 15 minutes pour atteindre le désert qui était tout à gauche de la map. Donc quand vous aurez réussi à trouver le désert, ce que vous allez devoir faire pour pouvoir créer l'interrupteur d'activation plus les petits et les grands réacteurs, c'est tout simplement d'attendre la nuit. Alors quand la nuit sera tombée, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver les squelettes comme ceci, qui ont un chapeau mais qui n'ont pas d'armes. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement tuer ce squelette-là. Et quand vous allez le tuer, vous allez voir qu'il va vous donner de la poudre explosive. Grâce à cette poudre explosive, vous allez pouvoir créer l'interrupteur d'activation et des petits, plus des grands propulseurs. Bien entendu, il vous faudra les autres ressources. Hein. Par exemple, là, il vous faudra une torche et il vous faudra des tiges de bois, normales. Et pareil pour le petit propulseur. Donc voilà comment vous allez pouvoir créer et avoir ces trois gadgets sur le Lego de Fortnite.